Je cherche une paire de ciseaux désespérément pour couper ma frange qui me gêne. Bonjour, nouveau vlog. Vous voyez, elle est pas très droite. Parce que je vais faire une photo de mon décor. Mais pour ça, voilà. Parce que c'est le genre de détail. Vous voyez, ça part comme ça. Bon, en même temps, c'est moi qui la coupe depuis plusieurs mois déjà. Bien plus tard, j'ai enfin trouvé un ciseau. Allez vous voir la différence. En tout cas, moi, je la vois. C'était vraiment là. Hein. J'ai fait petit à petit. Je vais donc faire ma petite photo comme prévu. Après, j'enchaînerai sur mon autre boulot. Alors, hop. Au début, je voulais me mettre une longue robe, m'allonger tout, ça va faire too much. Reste comme ça, tranquille. C'est vraiment le but, c'est de voir tout. Vu que là, il faut que je fasse le truc parce que ça va être en format carré sur Insta. Je pense que ça va rendre pas mal. Hein. Ouais, le t-shirt, ça va, ça passe. Parce que c'est aussi faire attention avec la couleur. Le papier peint quand même pas mal foncé. Allez, je vais mettre le retardataire. Je vais pas demander à Eric quand même. Regardez si c'est pas un petit amoureux ça. Il attend que la séance photo de sa maman soit terminée. Ah, il a repéré un oiseau. Hop. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Je viens de tourner la line box. Je peux vous montrer ça. De toute façon, vous ne trouverez pas. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai pensé me faire spoiler, mais pas du tout. Franchement, un peu déçu. Ouais, je m'attendais pas à ça, quoi. C'était pas l'éclate, mais bon, ça va être utile. Si jamais vous voulez voir, c'est sur la chaîne des box. Alors souvent, vous me dites, mais Caro, comment on peut aller? C'est quoi la chaîne des box? Mais il faut juste taper la chaîne des box. C'est tout. Je vais faire le montage. J'ai terminé et ma photo, et ma vidéo. Je vais goûter avec Jackie. On va goûter, Jackie? Très simple, du lait, un tout petit peu, et je vais rajouter une galette de riz au chocolat, parce que j'aurais pu prendre ça, j'aurais pu, mais non. À 17h, il y a le Premier ministre qui parle, hein, du coup, pour faire, je pense, les ajustements, deuxième phase du déconfinement. On va voir, c'est pour ça qu'on attendait, on s'est dit, de toute façon, on n'allait pas marcher tôt vu qu'il fait encore hyper chaud. Mais on ira marcher après. À moins qu'on ait plus le droit de sortir. Non, je déconne. Je vais en profiter pour vous montrer ce que je vous disais. Ce que j'ai reçu ce matin. On va découvrir ensemble, parce que j'ai pas ouvert non plus. Alors, c'est ici. Donc ça, bah, c'est My Little Box, mais du mois d'avril. Donc bah, trop tard, hein, je vais pas la présenter. J'ai fait celle de mai. C'était mignon, en tout cas, tout ce qu'il y avait dedans. Et ici, les grimoires gris en bois. C'est chouette. Et ben, y a toutes les petites créations. 1, 2, 3, 4. Hello Caroline, ton colis. Enfin, le voici. J'espère tellement qu'il te plaira. 100% fait main. Avec très peu de matériel profane, même pas professionnel. Donc, tu vas sentir la différence avec ce que tu as l'habitude de tenir en main. En bien ou en mal. Carpe diem. Ah, et puis il y a tout le descriptif. C'est bien fait. Stéphanie. Ces petites cartes de visite, les grimoires grises en bois. Voilà, donc là, il y a tout le lien Etsy de sa boutique. Et c'est parti! Ah oui! Oh, les couleurs, on dirait de l'aquarelle avec les pampilles. Ah! Oh. C'est juste magnifique. Regardez, c'est les fameux petits points jusqu'à la signature. Ouverture, deuxième. Oh, on dirait du cuir, c'est tout doux. Et à l'intérieur, il y a trois petits carnets. Toujours avec eh bien, ces petits points à l'intérieur. Troisième, tu penses que c'est fait main? Regardez-moi ça. C'est vrai que tu dis ça va te changer, enfin au niveau du toucher, mais c'est vrai. C'est très sensuel. Et puis, il y a de quoi faire, hein. En termes de pages. Waouh! Et le dernier. Oh, encore une matière différente, plus rigide. On dirait de la feuille. Waouh! Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle me connaît. Elle suit mes vidéos. Parce que regardez, les dégradés, les couleurs. On est sur du rose clair, sur du pastel. Quel raffinement pour Caroline, jusqu'aux petits détails. Tu es très douée. Parce que je pense que tu vas regarder quand même ce vlog.
C'est du très beau boulot. Je vous conseille vivement d'aller sur sa page, que là on est sur vraiment de la qualité, du fait main. Il faut faire tourner un petit peu les petits artisans. Les créateurs, pardon, les petits créateurs. Il faut vraiment aider les créateurs. Et merci surtout. Je vais pas oser les utiliser, mais il va falloir. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais les utiliser pour écrire des choses, des scripts, des idées, je vais pas écrire comme je peux faire dans les carnets de brouillon à l'arrache. Là, ça va être vraiment de ma plus belle plume. Très très beau. Ça fait plaisir de recevoir ce genre de petits paquets, hein. Franchement. 16h36 avant que Édouard Philippe me parle. Dans peu de temps, je vais m'avancer un petit peu sur le montage du vlog. Quoi? Ah non, c'est vrai que je je crois toujours qu'il me parle, mais non, il chante. Ou alors, il parle. Ah, il parle beaucoup à Jackie. Ouais. Pourquoi cette conférence de presse a été décalée, annoncée à Oui, 16h pour pourquoi? 17h? Parce qu'en fait, jusqu'à Il est la dernière seconde, 17h10 il y a encore maintenant. eu des arbitrages, des Tu vois, réflexions. c'est ça. Hein. Après cette allocution qui franchement remonte le moral, ça fait du bien de voir que bah, les choses petit à petit vont réouvrir. Les commerces, les établissements scolaires, même s'il va falloir rester quand même vigilant, enfin prudent, c'est-à-dire les gestes barrières, hein, évidemment. Vous savez ce que j'ai vu aujourd'hui, de ma fenêtre? Bon, non, je peux vraiment pas en parler. Ah bon? Déjà? Non, non, mais c'est rideau. Ah, on n'est pas arrivé, hein. Ça fait combien là? 20 minutes? Fromage? Ouais. 20 minutes et 17 secondes. Il reste 30 et quelques. Ouais. Un peu plus de 30 minutes. Allez, c'est reparti. C'était compliqué aujourd'hui. Vraiment, je sais pas si c'est la chaleur ou l'accumulation en plusieurs jours, mais j'ai cru que j'allais pas réussir, j'allais tétaniser. Eric, il n'est pas arrivé encore. Arrête, bébé, par contre, je fais la marche, enfin, le tour de plus en plus vite, c'est peut-être ça. Ah oui, mais si, c'est ça, on est parti sur un rythme très 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 soutenu. D'habitude, on commence un peu calme. Et là, on a été à donf jusqu'à la fin, et puis les marches à fond. T'as l'impression que toutes tes toxines partent. Il met du temps quand même. J'espère que ça va. Il m'a donné les clés. D'habitude, il me les donne au début, parce qu'il sait que j'arrive en premier. Là, il me dit, prends-les. T'as les mal aux jambes. Ah bah le voilà, ça va? Non? Toujours pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai mal, j'ai les jambes qui m'écrabouillent. Ah ouais. Bravo, je suis fière de nous. En ce moment, ça me fait ça. Comme on arrive tard du sport, je monte, je me douche, je me pose, je réponds aux commentaires, sur mes vidéos, soit du vlog, soit une photo Insta et tout. Et je décolle pas. Résultat, il est 20h20. On n'a pas mangé. Et c'est vrai qu'il y a, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai de plus en plus envie de me faire un drive, de manger McDo. Mais ça me manque. Et je sais que là, donc c'est rouvert, je vous ai dit depuis plus d'une semaine, ce soir, je me serais bien fait McDo quand même. En même temps, on a fait du sport. Je vais quand même tâter le terrain. Même si moi, je me sens pas d'y aller. Je suis toute déshabillée. Qu'est-ce que vous avez? Bah, je me suis posée, j'ai répondu aux messages après ma douche et voilà. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Tu joues? Je joue. T'as faim toi? Moi j'ai très très faim. Ben moi aussi j'ai faim. Voilà. T'as rien à me dire? Non. Tu veux pas ben, je te vois, mais t'es une manipulatrice. Ah, sur ce coup-là un peu, ouais. Bon finalement, bah ben, non, parce que j'ai peur qu'il y ait trop de monde et tout. Oui, quoi? Il y a les révélations, dans l'heure des pros, il y a ouais. les révélations Sûr. De l'équipe du professeur Raoult. Oh, attention, hein. Les révélations de l'équipe. Yes. Alors, je vais faire des macaronis. Tu veux quoi avec? Tout le paquet qu'il faut te faire. Non, mais ça, oui, mais tu veux des poissons, tu veux du des steak? Poissons, comme tu veux. Ou un steak haché? D'accord. Donc, vous l'aurez compris, on attendra pour McDo, ça ne sera que meilleur. Et sachez qu'Eric était sur le point d'y aller. C'est moi qui lui ai dit non, bébé, reste là. Ça sert à rien. J'avais peur qu'il galère en voiture, qu'il y ait trop de monde. On fera ça une autre fois. Je vais lui faire des petites pâtes et tout. Voilà, de petits pavés de Colin, me semble-t-il, parce que j'ai acheté du merlan aussi. Non, c'est pas pour les bébés, ça tend le poisson. Allez. Voilà, les bars sont fermés, monsieur. Ça ouvre qu'à partir du 2. Je vais vérifier si j'ai beaucoup de poubelles. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Ah, mais il n'y en a pas, il n'y en a qu'une dans la cuisine. Oh,
si vous verriez, là il y a tous les cartons qui doivent, depuis le début du déconfinement, qui doivent partir à la déchetterie. Je crois qu'il faut prendre rendez-vous, bah, depuis le déconfinement maintenant. Oh là là, vous voulez voir vite fait? Bonjour les cartons. Et encore, vous n'avez pas vu ceux qui sont dans la chambre. Ouais, il va falloir qu'on y aille très très vite. Mes pâtes sont cuites, je vais les faire revenir maintenant dans une poêle et je vais rajouter un peu de chavroux et mon poisson est en train de cuire et je filme également étendre ma lessive du jour de sport notamment. Avant que je n'oublie cette fois-ci, eh bien je vais terminer maintenant. Je suis en train de regarder Outlander saison 5. Il me reste 2 épisodes à regarder. Je sais pas s'il y aura une... Enfin, si je pense, vu l'évolution, il y aura. J'aime beaucoup cette série. Je vous en avais parlé il y a très très longtemps quand j'ai commencé à la regarder. Mais ouais, je crois que c'est tiré d'un roman d'ailleurs. Dites-moi si vous la connaissez. Ça m'intéresse. Si vous la regardez également. On va se retrouver probablement demain pour un vlog. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé bien jusqu'à maintenant. Salut.